écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal de 19h, bienvenue à tous. Voici les titres de cette nouvelle édition. Un message de condoléances adressé aux familles des victimes des dernières inondations à Tlemcen et Al-Bayad par le président de la République. L'initiative de Abdelmadjid Tebboune qui tend à renforcer aussi bien le front interne qu'externe au centre du discours d'ouverture de la session parlementaire. Nous écouterons le président du Sénat et de l'APN. Feu de forêt, la protection civile toujours mobilisée dans 6 wilayas pour venir à bout des flammes, lesquelles ont déjà ravagé près de 300 hectares ces dernières heures. La parole sera donnée à la DGF, mais aussi à la protection civile. L'éducation nationale cherche à renforcer son encadrement. Des emplois contractuels sont proposés aux jeunes diplômés. Les intéressés pourront dès demain s'inscrire via la plateforme du ministère de l'Éducation nationale. Ils ont 6 jours de délai. La Russie va livrer gratuitement des céréales à 6 pays africains dans les prochaines semaines. Promesse de Vladimir Poutine, le président russe n'a pas précisé toutefois les pays concernés. Et puis sport, football avec le début aujourd'hui du stage de préparation des Verts en vue du match des éliminatoires de la CAN 2024 face à la Tanzanie ce jeudi et le match amical contre le Sénégal prévu pour le 12 septembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Suite à la dernière tragédie qui nous a endeuillé cette fin de week-end, le président de la République compatit. Abdelmadjid Tebboune a adressé en effet un message exprimant ses sincères condoléances aux familles des 8 victimes emportées par les crues des Oued, à Tlemcen et Al-Bayad, les assurant de sa profonde tristesse face à ce drame. Des pluies automnales à l'origine de cette tragédie et des températures caniculaires à l'origine de nombreux incendies. On y reviendra ce soir, bien évidemment, ça sera dans quelques instants. L'initiative du président de la République sur le front interne pour resserrer les rangs et renforcer la cohésion sociale. Son initiative aussi sur le front externe, toujours en faveur des solutions pacifiques, ont été au centre aujourd'hui de l'intervention du président du Sénat à l'ouverture de la session parlementaire. Un résumé signé Hanan Saïsi. Salah Goudil appelle à soutenir l'initiative du président de la République visant à renforcer le front interne. La consolidation du front interne est l'initiative du président de la République. Les partis politiques sont appelés à regarder dans les dispositions de la Constitution pour concrétiser le renforcement du front interne. Car l'Algérie a besoin aujourd'hui d'un front interne fort, non seulement sur le plan interne, mais également pour faire face aux ennemis de l'étranger. Les ennemis ne se cachent plus, car l'Algérie d'aujourd'hui, avec sa politique et son régime, dérange beaucoup de partis. Durant les 3 dernières années, nous avons pu franchir des pas considérables en matière d'indépendance économique sur le plan politique et dans la prise de ses décisions. Le président du Conseil de la Nation qui réitère l'attachement de l'Algérie au principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays et le rejet catégorique des interventions militaires étrangères. L'initiative algérienne du président de la République dans la crise du Niger dès le début a été claire sur le respect de la Constitution et le choix du peuple et en même temps le rejet de toute ingérence militaire étrangère. Aujourd'hui, nous constatons que la tournée effectuée par l'envoyé spécial du président dans les pays africains démontre la place de l'Algérie, d'autant que le président a annoncé une nouvelle initiative sur l'organisation d'une conférence africaine sur le développement. Certes, la lutte contre le terrorisme est importante, néanmoins, le développement est primordial. Et l'Algérie, qui rejette toute forme d'ingérence dans nos affaires, elle rejette toute ingérence dans les affaires internes des autres pays, que ce soit au Mali ou en Libye, et la démarche algérienne dérange beaucoup. Salah Goudil a souligné en ce sens les pas franchis jusque-là en matière d'indépendance économique à travers la réalisation des 54 engagements du président de la République. C'était un extrait du discours du président. Nous reviendrons donc sur le discours maintenant de Brahim Bourali, président de l'APN. Il dira que l'Algérie reste souveraine dans la prise des décisions et libre dans ses choix à la faveur de tous les facteurs de décollage qu'elle a réunis. Des avancées notables ont été enregistrées dans le climat des affaires, mais aussi des investissements. On écoute Mohamed Bourali. L'Algérie a su maintenir ses positions dans ce monde instable.
grâce à sa capacité à mettre en œuvre les conditions idoines pour son décollage. Il a fait des pas de géant en termes d'environnement attractif pour l'investissement. L'Algérie se trouve aujourd'hui face à une opportunité historique. Forte de sa volonté politique et de sa cohésion nationale, consciente des enjeux qui impliquent son entrée dans un monde moderne avec la maîtrise des outils et des mécanismes appropriés, notamment la numérisation des secteurs, en particulier ceux liés à la finance, en raison de son importance dans le recouvrement des ressources. Tout cela dans le cadre de l'investissement dans le facteur humain qui est la base de tout progrès et développement. Le président de l'APN, Brahim Bourali, au micro de Hanen Saïssi, c'était à l'ouverture de la session parlementaire déclarée donc ouverte. En marge de cette session, d'autres ministres se sont exprimés, notamment le ministre du Commerce qui a évalué la situation de son secteur. Tayeb Zitouni a relevé notamment cette rareté des produits de large consommation affectés par la spéculation cet été. La spéculation autour des produits de large consommation, la solution nécessite une réelle prise en charge économique. Aujourd'hui, l'offre peut mettre fin à la spéculation, tout comme la production locale cet été. On a constaté toutefois des dépassements pour les climatiseurs, les légumes secs et autres produits. Toujours à l'Assemblée nationale, en marge de la session parlementaire, le ministre de l'Agriculture a souligné face à la presse l'importance du programme national de protection des éleveurs et réaffirmé le soutien de l'État pour indemniser les agriculteurs touchés par les aléas climatiques. Mohamed Abdelhafid Hani. En ce qui concerne l'indemnisation des agriculteurs affectés par la sécheresse, la faible pluviométrie ou encore les inondations, une opération d'octroi des indemnisations en nature sera lancée. C'était le ministre de l'Agriculture, Mohamed Abdelhafid Hani, propos recueillis par Hanen Saïssi. 30 000 hectares ont été consumés depuis le début de l'été. Près de 300 sont partis en fumée rien que ces dernières heures. Quelles sont les régions les plus touchées? La question a été posée par Mayal Kenza Saïd Sirli. Il est directeur de la protection de la faune et de la flore à la DGF. La Wilaya de Tizi Ouzou, la superficie consumée de l'ordre de 200 hectares. La deuxième Wilaya, c'est la Wilaya de Jijel avec 8 incendies, donc qui a consumé 45 hectares de forêt et d'arbres. Les dégâts, ça ne dépasse pas les 300 hectares. C'est pas, il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel non plus pour la cendre qu'on a constatée ces dernières heures sur nos espaces. Quand on cendre, c'est normal ces derniers jours. Quand il y a le vent, quand... il n'y a pas que les cendres, il y a même le sable qui est arrivé hier. Et il a envahi les villes du Nord, donc c'est le Sirocco. Donc quand le Sirocco, les températures élevées, les vents, c'est normal que les cendres vont arriver. Saïd Siali, directeur de la protection de la faune et de la flore à la DGF, contacté par Mayel Kenz. 47 incendies au total ont été enregistrés ces dernières 24 heures, certains totalement maîtrisés, d'autres toujours en cours dans 6 wilayas, Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda, Djidjel et Boumeldès. Et dans cette dernière wilaya, à Oulet Sahal Hatnia plus précisément, la protection civile a utilisé son groupement aérien renforcé par des colonnes mobiles. Nassim Barnaoui, chargé de la communication à la protection civile, contacté par Mayel Kenz. Donc toujours il y a la lutte pour l'extinction de 9 incendies. Un incendie au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou à la commune de l'Souama et 3 incendies au niveau de la wilaya de Béjaïa, les communes de Chemini, Aoukas et Lerba, Natelaten, ainsi que 2 incendies au niveau de la wilaya de Djedjil à la commune de Al-Ansar et Al-Moulia et d'autres incendies au niveau de la wilaya de Boumeldès. L'incendie le plus important, c'est l'incendie de Bled Salah Atenia qui s'est déclenché ce matin, où des forts moyens ont été mobilisés avec l'appui du groupement aérien de la protection civile et 4 avions aircraft qui ont été affrétés cette année dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt. Et nous continuons bien évidemment à suivre cette actualité pour vous tenir informés dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a procédé aujourd'hui à l'installation du nouveau ministre de la Communication. Mohamed El Agheb a exprimé dans sa déclaration face à la presse le souhait d'être à la hauteur de la confiance placée en lui par le chef de l'État. La rentrée scolaire, toujours pas de date officielle. Après que les enseignants aient repris du service hier, la tutelle décide de renforcer l'encadrement avec cet appel au recrutement des enseignants contractuels diplômés avec master, licence ou ingénieurat d'État. Les dossiers à fournir, ça sera dès demain via une plateforme numérique taoudif.com.
www.education.dz. Dernier délai, le 10 septembre, soit dans 7 jours. Dans le programme de l'éducation nationale, il y a aussi cette ambition de généraliser l'utilisation des équipements électroniques dès le cycle primaire. Le nid de Sidi Blaabbès a produit pour cette année quelques 48 000 tablettes et beaucoup plus à l'avenir, nous dit Inès Mohamed. La PDG Baya Gandhi affirme que l'entreprise ENI est donc prête à réaliser le nombre demandé de ses supports électroniques une fois généralisés à travers toutes les écoles. On écoute. Pour le moment, on a livré toute la quantité, 48 000 tablettes. Pour cette année, on a commencé la production fin juin au niveau national. Donc nous, on est disponible à fabriquer les tablettes. La quantité demandée, il y a un quota qui est divisé entre nous et Alphatran, de 72 000 l'année passée et cette année aussi de 72 000. Le quota de l'ENI, il est de 2/3. Alphatran assure 28 000 et nous, 47 500. Localement et pour cette année scolaire, 28 écoles sont dotées de tablettes numériques, sachant que l'an dernier, 24 établissements scolaires ont pu en bénéficier. De Sidi Blaabbès, Inès Mohamed pour AGCHN 3. Et en prévision de la rentrée universitaire prévue pour le 9 septembre, cette année, les nouvelles recrues de l'enseignement supérieur suivront plusieurs stages tout en occupant leur nouveau poste budgétaire, une sorte d'évaluation pour les 10 000 nouveaux enseignants universitaires. Ça sera en ligne et parfois en présentiel. Sophia Boukercha. Les 10 000 nouveaux enseignants seront évalués et formés dans trois secteurs différents. Objectif, garantir une meilleure qualité d'enseignement. Amran Toumatia, vice-recteur chargé de la pédagogie à l'université d'Alger 1. La formation dans les techniques d'information et de communication pour maîtriser les outils de l'enseignement à distance sur les environnements donc modèles pour donc faire des communications et pour faire de l'enseignement en ligne. La formation dans la langue anglaise gérée par la commission de suivi de l'enseignement en langue anglaise et la formation des enseignants et aussi le centre d'enseignement intensif des Landes. Le troisième volet de formation, c'est les pratiques pédagogiques. C'est une formation en présentiel avec des enseignants experts. Cette formation, elle est organisée sous forme de 22 thèmes sur la didactique, la psychopédagogie, les lois qui organisent l'université, l'éthique, etc. Les nouvelles recrues dispenseront des cours dans différents domaines. Elles jugent cette formation indispensable. C'est très intéressant, bénéfique pour l'enseignant à l'université et aussi pour la recherche scientifique. Ça va se faire, Inch'Allah, petit à petit. Nous allons être formés par des enseignants qualifiés. Donc l'enseignement, il va se faire donc en ligne, peut-être en hybride. C'est un peu une mise à niveau pour nous améliorer, notamment comment enseigner, même si perso j'ai un peu d'expérience. Je pense vraiment que ça ne peut être que bénéfique. Cette formation sera dispensée aux enseignants sur tout le territoire national. De quoi mettre l'université au diapason des nouvelles évolutions et des universités les plus prestigieuses. Les nouvelles technologies, un des terrains favoris des jeunes entrepreneurs. Qui sortira vainqueur de la prochaine compétition internationale en Afrique du Sud? Nous le saurons une fois le concours lancé avec nos encouragements, bien sûr, aux 11 start-up algériennes. Sami Aloun. Des idées allant d'un e-commerce éco-responsable à la e-santé, l'objectif étant de développer des solutions modernes, connectées, 100% algériennes, avec une approche basée principalement sur la résolution de problématiques. Abdallah Ben Maouia, fondateur de INM Robots, start-up spécialisée dans le dispositif de rééducation fonctionnelle. En Algérie, cela n'a jamais été fait auparavant. La plupart qui utilisent ce genre de matériel le ramènent directement de l'étranger à des prix exorbitants. Ce qu'on propose, c'est produire des prothèses beaucoup moins chères localement, équipées de capteurs qui génèrent toutes sortes de données sur l'état du patient. Autre pitch dédié au secteur de la santé cette fois-ci, présenté par Abdessabour Benzeghen, ingénieur en automatisme, fondateur de la start-up Sahatech. Ce genre de service, il a une envergure internationale, pas seulement ici en Algérie. Donc c'est pour cela qu'on participe à ce genre de compétition pour avoir du networking international, surtout l'Afrique et le Moyen-Orient. D'autres start-up s'intéressent à la logistique, mettre en contact les clients et prestataires de services de différents secteurs et spécialités. Adel Erskri, cofondateur de la start-up Khaliha Alina. C'est une application mobile. Elle est mise en relation entre le prestataire et le client. Si besoin d'un plombier, d'un électricien, d'un garde-malade, nous sommes au niveau de la phase du recrutement des prestataires actuellement. Le jury, à la fin de la compétition, décidera de la meilleure start-up qui pourra représenter l'Algérie lors du GEN Africa prévu pour le mars prochain en Afrique du Sud.
19h14 sur les ondes d'Alger Chaîne 3 avec vous, Nesrine Dahmoun. On revient sur ce geste du président russe envers quelques pays africains. Vladimir Poutine promet de leur livrer des céréales sans avoir à payer. Tout à fait, Linda. La Russie compte fournir des céréales gratuitement à 6 pays africains sans préciser encore lesquels. Une annonce réitérée ce lundi par le président russe Vladimir Poutine à partir de Sotchi. Ce dernier a même affirmé que son pays était également prêt à assurer la logistique gratuite pour livrer ses cargaisons. Les négociations sont presque terminées, les livraisons vont commencer dans les prochaines semaines. La Russie avait pourtant quitté l'accord sur l'exportation des céréales à cause des sanctions internationales induites par la guerre en Ukraine. Mais le président russe dit vouloir, par ce geste, apaiser l'inquiétude naissante chez plusieurs pays africains. Face à la presse, ce lundi, et concernant les exportations de céréales vers l'Occident cette fois-ci, eh bien, Vladimir Poutine s'est dit prêt à relancer l'accord céréalier à condition que ses demandes soient satisfaites, notamment la levée des restrictions à l'exportation sur les produits agricoles russes. Et en bref, ce soir, le régime militaire né d'un coup d'État au Niger a décidé de rouvrir son espace aérien aux vols commerciaux fermés depuis le 6 août dernier. Le Premier ministre nommé par les militaires s'est exprimé aujourd'hui et a dit espérer une entente avec la CDAO dans quelques jours. 19h16 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. La suite du journal avec des activités sportives. On entame Rostam Yahya Chérif. Cette page avec du football et le stage de préparation des Verts. C'est aujourd'hui que débute le stage de l'équipe nationale qui s'est d'ailleurs envolé cet après-midi à destination de Constantine où les Verts prendront leur quartier pour préparer le dernier match de la Tanzanie pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 reportée à 2024 en Côte d'Ivoire, je le rappelle, et le match amical contre le Sénégal prévu mardi prochain à Dakar. L'Algérie est déjà qualifiée. De son côté, la Tanzanie tentera de créer la surprise afin de se qualifier au tournoi continental. Le match qui se jouera à Annaba ce jeudi à 20h au stade du 19 mai 56. Sur ce match face à la Tanzanie et le match de mardi face au Sénégal, on écoute l'entraîneur national Jamel Belmadi. Ben, c'est deux matchs différents, deux matchs qui peuvent nous donner beaucoup d'enseignements. Pour le match de la Tanzanie, c'est un match contre une équipe qui a besoin de prendre un point pour se qualifier. Donc qui va arriver avec, je pense, des dispositifs qui vont dans ce sens-là. Ce genre de match, on va en avoir, notamment durant la prochaine CAN. Après, il y a ce match du Sénégal, on joue contre le champion d'Afrique en titre. On va dire aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, l'ogre de l'Afrique, qui vient de battre un Brésil très compétitif lors de la dernière date FIFA. On va aller les jouer chez eux, voilà. Et ça, c'est pour moi un vrai gros match, un vrai gros test pour nous. Et les Verts qui effectueront leur première séance d'entraînement ce soir sur la pelouse du Stade Shahid Hamlaoui. Rappelons que Houssam Aoua ne prendra pas part à ce stage pour cause de blessure contractée vendredi dernier lors du match de son club, l'AS Roma, face au Milan AC. Et puis la vente des billets pour ce match a débuté hier entre l'Algérie et la Tanzanie sur la plateforme Tête qu'il est-il. L'opération se poursuit et le prix est fixé à 500 dinars. Et on connaît Rostom, l'arbitre qui dirigera la finale de la Supercoupe d'Afrique. La Confédération africaine de football a désigné l'arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho pour diriger la finale de la Supercoupe d'Afrique 2023 entre la formation égyptienne d'El Ahli, vainqueur de la Ligue des Champions, et l'USM Alger, vainqueur de la Coupe de la Confédération, prévue le 15 septembre à 19h, heure algérienne, au stade du Roi Fahd, dans la ville de Taïf, en Arabie Saoudite. L'arbitre gabonais sera assisté par son compatriote Boris Marlez Bitsouga et la Camerounaise Karine Fomo, le Capriana arbitre, et le Sénégalais Aïssa Si. On passe au volleyball avec le championnat d'Afrique messieurs en Égypte, entré en lice demain de notre 6 national. Versé dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, l'Égypte et le Burundi, le 6 national entrera en lice demain où l'affrontera le Burundi, et ce à partir de 10h du matin à la salle du Caire. Le directeur technique national de la Fédération algérienne de volleyball, Mesoud Kadri, revient sur la préparation de l'équipe et de l'objectif principal de cette compétition. L'équipe nationale a effectué plusieurs stages de préparation. Nous avons essayé de mettre toutes les conditions pour la réussite de ces stages. L'objectif est de faire une bonne prestation lors de ce championnat d'Afrique, Inch'Allah.
Et je rappelle que le Burundi, lors de son premier match, s'est incliné face à l'Égypte par 3-7-0. C'était hier lors du match d'ouverture. Et puis les autres résultats aujourd'hui dans le groupe B, la Tunisie s'est imposée 3-7-0, tenant du titre, face au Mali. La Libye, dans le groupe D, s'est imposée 3-7-1 face au Ghana. Et puis dans le groupe C, le finaliste de la précédente édition, le Cameroun, s'est imposé 3-7-0 face au Kenya. Et on termine avec du tennis et le tournoi du Grand Chelem, US Open. Tenante du titre, Iga Swiatek chez les dames a été éliminée dès les huitièmes de finale de l'US Open par une Yelena Ostapenko survoltée par 2-7-1. La Polonaise va perdre sa première place mondiale au profit de la Biélorusse Arina Sabalenka. Dans quelques minutes débutera le match de la Tunisienne Ounce Diab, 5e mondiale, face à la Chinoise Zheng Qinwen. Chez les messieurs, le numéro 1 mondial et tenant du titre Carlos Alcaraz affronte en ce moment l'Italien Matteo Arnaldi. Et à 21h, le Russe Danil Medvedev, troisième au classement mondial, fera face à l'Australien Alex de Minaur. Le Serbe Novak Djokovic, numéro 2 mondial, quant à lui, s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire face au Croate Borna Gojo par 3-7-0. Fin de cette édition, 19h23 sur les ondes d'Algéchien 3, réalisée par Sidali Toubal. Sofiane Savli à 20h pour un flash d'information et pour l'édition du soir.